Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à aller voir mon dernier vlog sur mon brevet, etc. Puisque à la fin, il y a un peu le début de ce vlog. Bref, c'est pas obligatoire. Vous comprendrez peut-être mieux. Donc, en gros, là, je suis chez mes grands-parents pendant une semaine. Je suis arrivée lundi. Aujourd'hui, on est mercredi. Jusqu'à lundi prochain. Et ensuite, je repars dans ma maison de famille pendant 3 semaines. En gros, voilà à peu près mes vacances. Lundi, j'ai pas du tout filmé parce qu'en fait, c'est le jour où on est arrivé, donc on n'a rien fait de la journée au final. Parce qu'il nous restait que l'après-midi, et l'après-midi, on avait vraiment la flemme, il faisait trop chaud, du coup, on n'a rien fait du tout. Hier, le matin, on a fait du sport avec ma mère, puisque mon coach m'a envoyé un programme. Du coup, j'ai fait mon programme et ma mère, elle a fait son truc. Et ensuite, l'après-midi, on allait à la plage. C'était vraiment journée chill puisqu'on n'a rien fait d'autre que du sport et aller à la plage. Et aujourd'hui, du coup, je vais essayer de filmer un peu plus. Mais donc, du coup, programme du jour. Aujourd'hui, on s'est réveillé assez tôt. On va bientôt partir normalement. On va sur Nantes, je crois. Donc, de là où on est, il y a à peu près environ 1 heure de route. Et on va à Nantes parce qu'on va récupérer mon parrain à l'aéroport. On y va plus tôt puisque mes parents veulent aller visiter le château là-bas. Ensuite, on récupère mon parrain, on mange là-bas, à mon avis, dans un resto ou quoi. Et après, on revient. Donc, en vrai, ça va faire à peu près notre journée entière. Peut-être que si on revient pas trop tard, on ira peut-être à la plage ou on fera quelque chose, je sais pas du tout. Là du coup je filme avec, normalement la qualité est bien mieux, j'espère, en tout cas que ce soit mieux pour vous, j'aurai plus de problèmes de capacité. Et là du coup, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure, mais là on part à Gosport et à Boulanger je crois. J'ai cassé mon tel. Là, du coup, on va l'emmener pour le faire réparer. Je le récupérerai demain après-midi, je crois. Et
qu'on va à la plage. Demain matin, je ferai, je pense, mon sport. Et après, on ira chercher l'hôtel et on fera des magasins encore parce qu'il faut que je m'achète des trucs. Je suis rentrée des courses et je vais vous montrer tout ce que j'ai eu parce que j'ai acheté pas mal de trucs. Donc c'est parti pour le haul. Un gars, il fait du bruit dehors donc ça me saoule. Je suis désolée pour ça, j'espère que vous l'entendez pas trop. Du coup, on est passé au premier truc, c'était quoi? C'était Sport 2000. J'ai acheté deux trucs. Donc pour commencer, j'ai acheté un cycliste Adidas. Il est vraiment trop trop beau. Il fallait que je m'achète surtout des vêtements de sport, enfin au moins un ensemble de sport puisque... En fait, le jour de ma rentrée, du coup, le matin, on va faire une rentrée normale. Ensuite, l'après-midi, c'est nouveau de cette année, je crois. Enfin, du coup, de l'année qui va arriver. En gros, on va faire des activités l'après-midi. Entre tous les secondes, du coup, on doit venir en tenue de sport. J'ai pris une brassière de sport Nike. J'en ai pris une Nike qui est comme ça, qui est en vrai, qui est assez mince. Donc, voilà ce que j'ai acheté à Sport 2000. Ensuite, pour continuer dans le sport, on est allé Intersport. J'ai acheté un t-shirt Nike, comme ça, tout basique, genre vraiment. J'ai également pris des chaussettes. J'ai pris également des Adidas montantes pour le basket. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est des claquettes Nike, comme ça. Et pour finir, je suis allée à Jennifer. J'ai acheté un top blanc comme ça, tout basique. J'ai acheté aussi un short comme ça, gris, pareil, tout basique. Le dernier, c'est grand t-shirt comme ça. Ça pour vous dire, voilà mon haul. Du coup, je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté. Je suis trop contente. Au moins, j'aurai une tenue à peu près potable pour la rentrée. Bon, ce serait une tenue de sport et tout, mais en vrai, ça va. Aujourd'hui, on est vendredi. Ça passe hyper vite. Demain, il y a l'anniversaire de mon cousin qui est déjà passé et son frère. Son anniversaire c'est bientôt, du coup on va fêter leurs deux anniversaires. Du coup je pense que je vais pas trop filmer. Normalement demain soir on est censé faire un pique-nique sur la plage, pas avec eux, mais du coup juste avec mon parrain, ma mère, mon père et moi. Et dimanche ce sera mon dernier jour, je pense qu'on va faire vraiment un jour tranquille, peut-être re-aller à la plage, je sais pas du tout. Mais à mon avis ils vont être pas mal dans les cartons et tout, puisque mes grands-parents devraient bientôt déménager, enfin bientôt. Le temps qu'ils trouvent la maison et tout ça. Ils devraient bientôt déménager vers chez moi, du coup, normalement. En tout cas, ça se fera soit cette année, soit l'année prochaine. Mais en tout cas, ça se fera maximum l'année prochaine, genre 2023. Trop droite qui déménage vraiment. Parce que déjà, on les verra beaucoup plus souvent. Et en plus, pendant l'été, au moins, on pourra partir au parc chez eux, du coup, pendant une semaine. Et ensuite, lundi, je repars, du coup, dans ma maison de famille en Lozère. Hello. Du coup, je me suis réveillée à 8h aujourd'hui. Je suis allée déjeuner et tout. Là, il est 9h. Je vais m'habiller pour aller courir. Aujourd'hui, je dois faire un sorte de fractionné en mode, je dois courir pareil 25 minutes, mais durant les 25 minutes, il faut que je change d'allure 3 fois. Puis après, je ferai des abdos, mes étirements là qu'il nous a donné et tout. Et ensuite, j'irai me doucher, à mon avis. Et puis après, il y aura mes cousins et tout qui doivent arriver. Pas mal contente de ce que j'ai fait. J'ai couru à genre 10 km/h de moyenne. J'ai fait quasi 5 km. Après, du coup, j'ai fait des abdos. Et ensuite, j'ai fait un peu de travail pour mes chevilles pendant 5 minutes. Et du coup, là, je vais aller me toucher. Et mes cousins devraient bientôt arriver. Donc voilà, je verrai ce que je peux filmer ou non.
Ils sont tous partis du coup, mais c'était trop trop cool de les revoir. Donc là, on va faire un pique-nique sur la plage, je suis trop trop contente. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je pense que je vais vraiment rien faire. Genre, je suis un peu crevée, je vous avoue. Genre, hier le sport et tout ça m'a fatiguée. Je verrai si j'ai le courage de faire un petit peu de sport ce matin, je verrai. Mais bon, il est déjà 10h passées donc ça m'étonnerait. Sinon, je pense que je vais faire pas grand chose à part regarder mon tel et tout. Et c'est tout, rattraper toutes les vidéos que j'ai ratées. Et cet après-midi, peut-être qu'on ira une dernière fois à la plage, vu qu'on part demain, assez tôt, vu qu'on a genre 8 heures de route à peu près. En tout cas, je suis grave contente de cette semaine. Hier, c'était trop trop bien. En tout cas, j'ai posté la vidéo que je devais poster depuis pas mal de temps déjà. Je l'ai enfin postée ce matin. Donc voilà, je suis contente. Il est midi et je m'habille enfin. Ça n'a aucun sens. On va aller faire un petit apéro, manger, etc. Et je pense qu'après, on va se poser après manger. Puis après on ira à la plage, à mon avis c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Aussitôt, on verra bien. Hello, il est bientôt 8h, on va bientôt partir. Je l'avais dit hier qu'on partirait jamais à 7h, mais bon, du coup, on va partir environ vers 8h, 8h15 à peu près. On arrivera vers, à mon avis, 16h là-bas. Et j'ai pas trop trop hâte. Voilà mon outil du jour, un top comme ça et mon short d'hiver. Bon bah, c'est parti pour 8h de route. Bon voilà, on est bien arrivé. On est arrivé, il était genre 16h quelque chose, mais c'est un peu exactement. Du coup, c'est la fin de ce weekly vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Passez une trop bonne semaine chez mes grands-parents, c'était trop trop cool. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, et ben n'hésitez pas, si vous êtes nouveau, bienvenue. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment trop trop plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.